Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. La revue de presse de l'UPR, semaine numéro 3, sélection du 15 au 21 janvier 2018. À la une cette semaine, le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a annoncé que les soldats américains en Syrie resteront bien après la défaite de Daesh, pour s'assurer que ni Bachar el-Assad ni l'Iran ne prennent contrôle des zones libérées. Le discours antiterroriste est abandonné au profit d'une posture offensive où Washington assume clairement son souhait de contrôler le territoire du Moyen-Orient. Cette décision est scandaleuse au regard du droit international, car elle ne s'appuie sur aucun mandat de l'ONU. Elle représente une ingérence américaine inacceptable dans les affaires syriennes. Sur la photographie, un convoi de véhicules blindés américains défile dans les environs de Manbij, dans le nord de la Syrie, le 5 mars 2017. Source, Le Monde, 18 janvier. France. Quand Bruno Le Maire supprimait 603 postes dans la sécurité alimentaire. Les syndicats des services de contrôle sanitaire dans l'agroalimentaire, dont les équipes sont en sous-effectif, vivent mal le scandale Lactalis et les intoxications de nourrissons qu'il a causées. Elles vivent encore plus mal les leçons données par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En effet, quand il était ministre de l'Agriculture, il a supprimé 600 postes dans le rang. Dépecer l'État social à la française pour les seuls intérêts privés. Derrière l'intoxication Lactalis, on trouve les contraintes des traités européens. Source, Ouest France, 15 janvier. Impôts. Après la taxe d'habitation, voici la taxe d'inondation. Malgré la promesse de ne plus créer d'impôts, une nouvelle taxe locale a vu le jour. Pour suivre les directives d'affaiblissement de la nation imposées par les européistes, la charge des aménagements liés aux crues a été transférée de l'État aux 1266 établissements publics de coopération intercommunale, EPCI. Ce nouvel impôt n'est ni social, ni juste, ni efficace. Source, Le Parisien, 15 janvier. Électricité vers une hausse surprise du tarif d'EDF. Cette augmentation est liée à une disposition de la loi sur la fin des hydrocarbures. Cette loi n'est rien d'autre que la transposition en droit français de la directive européenne 2015-1513. Source Les Échos, 15 janvier. La région des Hauts-de-France veut ouvrir les lignes de TER à la concurrence. Le sous-investissement et le sous-entretien chronique du réseau ferré permettent, in fine, de justifier cette privatisation. Par ailleurs, imposée par l'UE via l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Il faut faire régner le dogme de la sacro-sainte libre concurrence. Source, France Bleu, 16 janvier. France, politique étrangère et européenne. Vague de démissions préoccupante à l'Alliance française. Derrière les beaux discours, la réalité. L'austérité budgétaire constante, due au fait de notre appartenance à l'Union européenne, ainsi que le repli sur l'Europe, entraîne le sacrifice de la langue française et de la francophonie. Il nous faut sortir du carcan européen pour permettre à la France de retrouver son universalisme et renouer avec la francophonie pour l'instant délaissée. Source, Le Figaro, 19 janvier. Jérôme Clément, président démissionnaire de l'Alliance française. La politique africaine de Macron, de la France-Afrique à l'Europe-Afrique. Un article d'Alain Moreau, l'Europe-Afrique va-t-elle être encore pire que la France-Afrique? Source UPR, 15 janvier. Macron admet que les Français voteraient en faveur du Frexit. Passons sur le fait que le président de la République fasse une interview complète en langue anglaise. Quel cynisme au sujet d'un référendum sur le Frexit! Les Français voteraient probablement pour la sortie de l'Union européenne, donc un tel référendum ne doit pas se tenir. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If And some, France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. Probably. Pas de panique. Pour sortir de la prison qu'est l'Union européenne, il y a le vote UPR qui a 10 ans et 10 mois d'avance sur l'aveu de Macron. Source UPR, 21 janvier. Budget européen. La France prête à piocher dans la PAC et la politique régionale pour financer la défense.
Pour financer l'Europe de la défense, qui n'est rien d'autre que le dépeçage de notre défense nationale, le gouvernement est prêt à sacrifier encore davantage nos agriculteurs. Source Euractiv, 17 janvier. Les républicains doivent défendre une Europe d'État-nation. Après l'autre Europe sociale du PS, l'autre Europe écologique de EELV, l'autre Europe des travailleurs de la France insoumise et de l'extrême gauche, l'autre Europe qui marche de Macron, l'autre Europe des patries du FN, voici l'autre Europe des États-nations de LR. Rappelons qu'une autre Union européenne est impossible. Cela se heurte à l'impossibilité d'obtenir l'unanimité demandée par l'article 48 sur l'Union européenne, TUE, entre 27 États aux intérêts nationaux divergents. Source Le Figaro, 15 janvier. France, médias et presse aux ordres. François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan saisissent conjointement le CSA pour non-respect des règles d'équité par France 3 Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'élection législative partielle de la première circonscription du territoire de Belfort. Au moment où cette revue de presse est publiée, 23 janvier 2018 à 13h, soit 6 jours après cette saisine, le CSA n'a apporté aucune réponse, alors qu'il y a urgence puisque le premier tour a lieu dimanche prochain. Source UPR, 17 janvier. Après une couverture sur Macron et les migrants, le directeur de l'Obs sur la sellette. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent parler en mal de Macron. Les oligarques propriétaires des médias de masse n'acceptent pas que l'investissement marketing qui a vu leur champion arriver au pouvoir puisse être mis à mal. Dans son programme, l'UPR prévoit de rendre indépendante la presse par rapport aux puissances d'argent. Source, Libération, 17 janvier. Couverture de l'Obs ayant déplu à Macron. Lyon, les salariés de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes adoptent une motion de défiance contre leur direction. À l'origine du conflit, une enquête réalisée en novembre par des journalistes de la rédaction, qui entendaient dresser le bilan de Laurent Wauquiez à la tête de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les journalistes pensent que M. Wauquiez a fait pression pour censurer leur émission. Source, 20 minutes, 14 janvier. France, scandale politique. Trésorier étourdi, Éric Woerth n'a pas pensé à déclarer des enveloppes de liquide de la campagne de Sarkozy. Le député de l'Oise n'est pour l'instant pas mis en examen dans ce dossier. En attendant, il reste président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Source, Marianne, 16 janvier. La Haute Autorité pour la transparence saisit la justice à propos de David Douillet. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique annonce avoir saisi la justice de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de l'ex-député LR et ancien judoka David Douillet en raison d'un doute sérieux lié à l'omission d'une partie substantielle du patrimoine. Source France 3, 15 janvier. Sylvie Goulard nommée à la Banque de France. Une ministre démissionnaire pour affaires d'emploi fictifs et collusion avec des intérêts étrangers se retrouve récompensée par un très bon poste à la Banque de France. C'est la moralisation en marche pour cet ultra-ultra-européiste fanatique. Est-ce un tremplin vers le titre de gouverneur de la Banque de France qui siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne? Source France Info, 17 janvier. Royaume-Uni et Brexit. Brexit, Deutsche Bank va transférer moins d'emplois que prévu. La Deutsche Bank avait annoncé qu'elle allait supprimer des milliers d'emplois dans son implantation à Londres. Cette propagande se dégonfle comme une baudruche. Il n'est désormais plus question que de quelques centaines. Comme l'a expliqué le président du directoire de la Deutsche Bank, les banquiers, les experts en technologie et les traders travaillent principalement à Londres et ils veulent y rester. Source Les Échos, 17 janvier. L'Union européenne fait pression sur la Suisse pour qu'elle refuse tout accord avec les Britanniques. L'Union européenne n'a pas renoncé à punir le peuple britannique pour son choix démocratique. Il est important pour l'Union européenne que les Britanniques se portent mal afin que d'autres pays ne soient pas tentés de suivre l'exemple. La Suisse est mise alors devant le choix forcé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Source Express UK, 16 janvier, en anglais. Une taxe plastique pour compenser le manque à gagner du Brexit.
Malgré les discours des médias qui n'arrêtent pas de parler de la facture du Brexit pour les Britanniques, le départ des Britanniques laisse un trou béant dans le budget de l'Union européenne que les eurocrates envisagent de combler par une nouvelle taxe. Source Euractiv, 17 janvier. Union européenne. Manifestation en Grèce contre les nouvelles mesures d'austérité. L'Union européenne impose de nouvelles mesures d'austérité à la Grèce et demande qu'encore plus de biens publics soient livrés en pâture aux grandes multinationales. Même les habitations principales n'échappent plus à l'appétit des rapaces internationaux. Le droit de grève va être également attaqué. Toutes ces mesures sont menées par le Premier ministre Tsipras, grand ami de Mélenchon, et son parti leur, Syriza, homologue de la France insoumise, et applique donc servilement les instructions ultralibérales dictées par l'UE, tout en faisant semblant de protester, bien sûr. La seule issue viable pour les Grecs est la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais c'est justement cette solution qui est cachée au peuple grec par la propagande et les mensonges des européistes. Source, Le Temps, 17 janvier. L'Union européenne devrait retirer Panama de sa liste noire des paradis fiscaux. En dépit des révélations des Panama Papers, l'Union européenne va retirer ce paradis fiscal de sa liste, sous la pression de nombreux intérêts qui profitent du statut fiscal de Panama. La lutte contre l'évasion fiscale tourne ainsi au ridicule. De plus, comment faire une politique sérieuse dans le domaine quand l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, interdit le contrôle des flux de capitaux et que le Luxembourg, comme n'importe quel État de l'Union européenne, a droit de veto sur tout changement de cet article? Source, L'Humanité, 17 janvier. Catalogne. Le parti nationaliste de Carles Puigdemont s'est financé illégalement. Le parti de Carles Puigdemont aurait perçu 6,6 millions d'euros de la part d'un groupe de BTP et services en échange de l'attribution garantie d'un certain montant de travaux publics. Source, 20 minutes, 16 janvier. Proche-Orient. La Palestine en passe de suspendre la reconnaissance d'Israël. Le Conseil central de l'OLP a voté le 15 janvier en faveur de la suppression de la reconnaissance de l'État d'Israël, remettant en question les accords d'Oslo et créant une entrave supplémentaire au processus de paix déjà mal en point. Source RT, 16 janvier. Le président de l'autorité palestinienne rejette toute médiation des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. C'est la riposte attendue de Mahmoud Abbas à Donald Trump, suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Washington. Par ce geste, les États-Unis ont perdu leur crédibilité dans le processus de paix. Cela pourrait profiter à d'autres puissances, comme la Russie. Source, La Croix, 16 janvier. L'armée turque poursuit son offensive dans l'enclave kurde d'Afrin. Ankara ne supporte pas l'idée que puisse s'établir un corridor russe qui partirait de Kobané et Afrin jusqu'à la région syrienne de Rojava, avec accès à la Méditerranée. L'offensive turque contre les territoires kurdes va à l'encontre d'une stratégie occidentale pro-kurde. Source RT, 19 janvier. Monde, un rapport du Pentagone envisage de revenir sur la non-prolifération nucléaire. Le Pentagone souhaite développer des mini-armes nucléaires à capacité limitée, équivalent tout de même à la bombe Larcher sur Hiroshima. Cela offrirait à l'armée américaine une option de riposte intermédiaire en cas de guerre, ce qui contrevient à 50 ans d'accords internationaux sur la limitation des armes stratégiques. Source Le Parisien, 18 janvier. Hiroshima, une mini-arme nucléaire à capacité limitée, selon le nouveau vocabulaire du Pentagone. 38 minutes de terreur. Les habitants de Hawaï ont connu une alerte à la bombe nucléaire qui a duré 38 minutes avant que les autorités confirment qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte, due à une mauvaise manipulation de la part du personnel de maintenance. Source WSWS, 15 janvier, en anglais. Internationalisation symbolique du yuan chinois. Alors que la Bundesbank veut intégrer le yuan dans ses réserves de change, la Banque de France déclare déjà l'utiliser comme devise de diversification. En juin dernier, la BCE a fait grand bruit en annonçant qu'elle investirait en yuan l'équivalent de 500 millions d'euros pris sur ses réserves en dollars.
L'internationalisation du yuan a franchi une étape lorsque le Fonds monétaire international, FMI, a décidé de l'inclure dans le panier de devises de référence ou droits de tirage spéciaux, DTS, en octobre 2016. En pratique, cependant, le yuan reste non convertible et ses annonces, qui ne concernent que des montants très marginaux, restent encore pour l'instant de l'ordre du symbole. Source Reuters, 15 janvier. Diverses. Asselineau analyse l'info numéro 56. Macron, Notre-Dame-des-Landes, législative, Brexit, Trump, Corée, tourisme, France-Galles. Attention, cet entretien couvre des sujets complémentaires aux articles de la revue de presse. Source UPR, 20 janvier. Plusieurs anciens employés du Twitter admettent censurer les utilisateurs politiquement incorrects. La pratique du shadow ban, bannissement dans l'ombre, permet ainsi de bloquer un compte sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Source RT, 15 janvier. Modération, Instagram et Google+ signent le code de conduite de l'Union européenne. La Commission européenne menace de mesures législatives contraignantes les acteurs d'Internet qui ne coopéreraient pas à la lutte contre la propagande terroriste et les discours xénophobes et racistes, et peut-être à terme ceux qui présenteraient un point de vue politique non approuvé. Voir article précédent. Source Le Monde, 19 janvier. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!